Allez, au boulot. Alors, d'entrée de jeu, un rat. Parlez. Bon, je pense que pour ces bestioles, je vais pas m'embêter, j'ai La plein de repères rivière humains. devint rouge. T'as le droit de participer, Caïen, hein, plutôt que de faire l'imbécile. Ben, il est mort. Vous venez encore me dire que Ici. je suis tout à vous. Des conteneurs. Rien d'intéressant. Je pense qu'il n'y a rien non plus. Ben, vas-y, ouvre. Voilà. Ce sera fait. Un escalier. On descend. Des bestioles, bon, toc, toi tu Qu'est-ce vas que t'occuper c'est? de ce Cette squelette. île à l'hurle, au nom de Char. Du mort-vivant. Parlez. Voilà. Ah, c'est quoi, c'est une goule? C'est un peu chiant, mais... Alors, j'aime pas trop Sans être pris entendre. pour cible, je préfère que ce soit Kag, hein. Il a une meilleure CA que moi. Je veux pas parler. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a des pièges un peu Ça a partout. intérêt à en valoir la peine. En fait, je crois que tout est piégé dans cette zone. Tous les coffres sont piégés. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, mais il faut J'attends l'ouvrir, vos hein. instructions. Non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui doit être? Je ferai votre tâche. Ah, c'est verrouillé maintenant. Voilà. Parlez, On je va suis continuer d'accord. d'avancer un peu. Je crois qu'il n'y a rien par ici. Vous m'avez parlé? Oui, je t'ai parlé. Détecte le piège. Je suis sûr que c'est piégé, ça. Voilà. Occupez-vous de votre lame. Piégé et verrouillé. Bon, rien. Oui, ce sera fait. Là-dessus, là ici, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il doit y Vous avoir commencez à me porter Allez, sur on les nerfs. t'accord. Il doit y avoir des dagues ici. Voilà. Oh, c'est pas mal remarqué, hein, pour mon ami Xar. Bah, c'est pas mon ami d'ailleurs. Il est meilleur à Qu'est-ce la que c'est? dague qu'à la fronde. Certainement. Allez, on continue. Il doit y avoir encore quelques ghouls qui traînent, quelques squelettes. On va pas s'embêter, on va avancer. Là, y a rien. Là, y a une goule. Allez. Et la Ça roule dans les rivière derniers devint instants de vie. rouge. Hop. L'île à l'hurle, au nom de Char. Il me Hop. faut une bière. Pourquoi moi? Arrête avec tes bières, toi, tu commences pas. Parlez, sans aucun doute. Voilà. Oui, ce sera Alors fait. ici, je crois qu'il n'y a rien. On a juste un commentaire qui dit que les Je ne rats suis doivent passer par véritablement là. tranquille qu'une fois 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que tu racontes, Xar? Qu'est-ce que c'est? Certainement. Il dit qu'il sera Parlez. mieux 6 pieds sous terre? Sans aucun doute. Là, il n'y a rien. Hop. Il doit y avoir encore une ou deux goules. Voilà, bah tiens, quand on parle du Par lot. amour de l'argent. Xar, Xar, Xar. Qu'est-ce que tu fais? Ben, si Qu'est-ce que j'ai tu pas le fais? choix.
Non mais arrêtez là, laissez les guerriers passer devant. À vos ordres. Pour le moment. Oui. Complètement à la masse, c'est une magie. Je veux pas parler. Le seul truc qui soit mieux que de l'or, c'est encore plus d'or. Voilà, quelques pièces d'or. Bon, ben c'est... Y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, je crois qu'il y a rien. Là-bas, je crois qu'il y a rien. On va quand même jeter un œil. Il y a effectivement rien. Qu'est-ce que c'est? Il reste donc une paire de rats. Ce sera fait. Enfin, une paire, un peu plus qu'une paire d'ailleurs. Des rats et des rats géants comme voilà. J'ai l'impression que Naunata. Les personnages se gênent. L'île à hurle, au nom de Char. Eh ben c'est laborieux pour tuer quelques rats, hein. Pour des rats géants, 14 points de d'expérience. Ils sont assez pénibles, oui, parce que ils inoculent des maladies. Oui. Ah. Chanteur de nuit. Occupez-vous de celui-là. Hein. Donnez-moi de la force. Vous venez tiens, encore parce que me t'as déranger. Rien à faire. Alors, je suis un projo magique. Et voilà. Olot Zakales Nahu. Qu'est-ce que c'est? Occupez-vous de celui-là. J'alle puisse l'obscurité s'imposer. Qu'est-ce que je disais? Ils inoculent des maladies. Puis ça... Ça dure un certain temps, hein. Bon, c'est Kagan, donc j'espère qu'il va se régénérer. Chanteur de nuit, vous commencez à me porter sur les nerfs. T'as plus de fléchettes, toi? Allez, Edwin. Tue-le. Par amour. Olotza, j'ai pitié de votre courte vie. Oui. Oui. Ça dure quand même très longtemps, hein, cette maladie. Destructeur de l'univers. Allez, en kikiné. Ça va le tuer, hein. Eh ben... Bah, prends ça. Oh, vous commencez à me porter sur qu'est-ce les nerfs. Fait, j'attends vos instructions. Pourtant Kagan régénère, hein. Au nom de Char. Ah bah ça c'était un rat simple. Ah, les rats géants, eux, sont chiants. Ah, ça c'est quoi? Encore un rat géant et un rat géant. C'en est fini de vos vies inutiles. Toucher Kagan parce que j'ai plus de potions, moi. Oh là, qu'est-ce que tu fais, toi? Votre qu'est-ce voix que tu fais est exquise. Je peux pas m'en empêcher, hein? Parlez. Oh, la prochaine fois. Bah, je mine suis de d'accord. Rien, Père Kagan, il a perdu. Il avait perdu plus de 50% de ses points de vie. La prochaine fois. Sur un seul rat. Et la rivière devint rouge. Un seul rat géant, pardon. Oui. C'en est fini de vous dire. Donc ça va. Et la rivière devint rouge. L'île à l'hurle, au nom de Char.
C'en est fini de vos vies inutiles. Et la rivière devint rouge. Ok. Ça a intérêt en fait de dormir que d'un œil, tyran. Là, il y a plein de trucs à récupérer. Ça, ça va faire du bien. Ah, t'as plus... t'as pas d'espace. Qu'y a-t-il maintenant? Jal Kaleh, je descends d'une noble lignée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fléchettes sanglantes. Des fléchettes je sais pas quoi. Et lui non plus, il sait pas. Bon, c'est des fléchettes étourdissantes, pardon. Ça, c'est pas mal pour Viconia. De la résistance à la magie. Elle qui a déjà 65%. Ça, c'est une dague... 2 mètres, c'est pour Xar, même si c'est pas s'en servir. Ça, c'est des potions de force. Ça, c'est des sorts sympas. Ah, ça, c'est un sort pour Kaya, mais est-ce qu'elle va réussir à le mettre? J'hésite. Ça, c'est un sort intéressant, hein, charme néfaste. Allez, tiens, essaye. Ouais. Très bien. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite zone. On peut ressortir désormais. Oui. On a nettoyé les rats. Le vendeur sera content. Ce sera fait. Alors à la sortie du débarquement, il m'est déjà arrivé aussi d'être attaqué par les Amazones. Pourrait-on faire un peu moins de bruit? C'est assourdissant. Donc on va se méfier. Ah, il y a un truc que je peux identifier. Et je vais le faire d'ailleurs, tout de suite. C'est ce qu'a récupéré mon taron. Ça, je pense que Xar s'est pas identifié. Mais moi, je sais. Une baguette de feu. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est très bon. Ça permet de... Ça a deux fonctions, soit de lancer une boule de feu, soit un incinérateur d'Aghanazar. C'est pas vilain, du tout. Sans aucun doute. Ok, donc retournons voir le vendeur. Ce sera fait. On lui dit qu'on a résolu, voilà, on a tué tous les rats. Et il est content. Alors si on lui reparle, il dit... on peut lui demander s'il a entendu d'autres problèmes. On lui dit, ah tiens, bon, on croyait qu'il y avait toutes sortes de problèmes. Et il veut être tenu au courant. Il dit qu'il peut pas toujours se rendre à la taverne de Falco. Bon, très bien. Donc là, qu'est-ce qui doit disparaître? Vous feriez mieux de prêter attention. Oh. Dans la petite chambre, il y a un coffre qu'on ne peut pas crocheter. Là, c'est verrouillé et on nous dit. Non, c'est trop complexe. Là, je pense qu'il n'y a rien. Donc on redescend. N'insiste pas. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Oh, il y a un piège. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. On va aller à la taverne de Falco, qui est donc juste ici.
Voilà déjà une quête de résolu, la quête des rats. Et on va en faire une autre dans la foulée. On va aller voir l'ami Falco. J'ai besoin d'une bonne vieille bière. Alors, bah je m'appelle Kaya, puisque tu veux savoir. Bon, on va lui dire où veut y aller. Je vais le réinterroger. Moi, d'assez mauvaise humeur. Je voudrais poser quelques questions. Donc on peut lui demander où est-ce qu'on trouve certains objets et on peut lui dire. Alors Zardal, il vient souvent ici. Il dit ah bah non jamais. Parce qu'il pue. Bah vraiment. Non. Il va jamais à l'auberge. À cause de sa jambe invalide. Tiens. Peut-être qu'on devrait aller le réinterroger parce qu'il disait qu'il venait souvent ici. Il nous a menti. Vous m'avez. Laissez-moi tranquille si vous ne voulez pas que je vous décapite. Pourquoi nous aurait-il menti? Ça cache quelque chose. Là, on va voler quelques pièces pendant qu'on y est. De toute façon, on ne retournera pas dans cette auberge. Je suppose que c'est fermé. Voilà, oh bah 80 pièces d'or. Hein. Pas une auberge de pauvres ici. Hein. Là, 4 pièces d'or, j'ai rien dit. Allez, embarque. Et là-bas, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Eh bah t'y vas. Bon, 7 pièces d'or. Donc on va aller retourner voir Zardal pour l'interroger. Sans aucun doute. Enfin, on va pas tout à fait l'interroger tout de suite. On va J'attends retourner. Vos instructions. Et on va retourner au premier étage. Et maintenant qu'on a eu cette petite conversation avec l'aubergiste... Ça a intérêt à en valoir. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que... Le taron va pouvoir remonter. Et dans... Je ferai votre cette tâche. Armoire qui était vide, il y a une clé. Et cette clé... permet d'ouvrir cela. Et c'est pas de bol parce que on peut pas récupérer ce qu'il y a dedans. Bon ben. Edwin. Vous venez encore me déranger si je Oui, je viens de déranger. Je viens de te demander de monter. Qu'est-ce qui doit disparaître? Alors, tiens Edwin, on va lui filer les gemmes. Peut-être cette armure, il sait peut-être même que c'est une armure, une côte de maille plus 1. Eh ouais, il sait. Occupez-vous de Donc qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Une émeraude, très chère. Le livre de sort de Zardal. Donc si on ouvre le contenant, c'est une espèce d'étui à parchemin où il y a des sorts. Et surtout, son carnet de notes. Qui prouve que Zardal est un espion du duc. C'est pour ça qu'il nous Vous a menti. Vous commencez à me porter sur les nerfs, je ne comprends pas. Donc on va redescendre. Et puis, non. Ça explique aussi pourquoi Cela n'en vaut oui. pas la peine. Il y a un piège. Je suis d'accord. Il me faut une... C'est l'or qui fait Chanteur tourner le monde. Chanteur de char est une déesse. Vous l'avez parlé. De conviction et de détermination. Et on va lui dire que... Finissons-en. Il y a un gros problème, petit bonhomme. Nous avons trouvé un journal avec des notes livrant des informations sur Aston Ford. Soyez maudite, vous ne me prendrez pas vivant. Je crains que si. Alors, hop, on tape. Quelque chose vous dérange? Toi. Hop, projectile magique. Toi. Injonction. Toi, une bille. Je ferai votre Qu'est-ce qui m'envoie poussière scintillante?
Bah qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je sais pas, mais il faut le tuer, non? Ah bah voilà. Bon, lui c'est un mage assez facile, hein. Il a pas de préparation, rien. Qu'est-ce qui doit être? Occupez-vous de votre lard. Il vaut pas grand-chose non plus. 100 points d'expérience, mais on l'a toujours démasqué. C'est toujours ça de fait. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. C'est une des quêtes qu'on avait à résoudre. Bon, eh ben, on va s'arrêter là pour cette session. Et puis on reprendra une prochaine fois pour continuer les aventures à Stanford. Bye bye!